J'ai souhaité faire un film sur Rimbaud il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est un film dont je rêvais beaucoup. Je voulais en fait aller sur toutes les traces de Rimbaud. Je voulais visiter le monde derrière Rimbaud, aller sur ses traces. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé un jour de filmer sous la forme d'un documentaire sa biographie. C'est-à-dire essayer de faire, non pas de réfléchir sur ses textes, non pas de faire un film intellectuel, mais de présenter l'homme dans toute l'humanité qu'il a, dans tous ses déplacements, dans toute la souffrance aussi, et dans toute sa réalité terrestre. On a dit Rimbaud timide. Nous l'avons vu plein d'aplomb. De culot, devrais-je dire. S'adressant au professeur, au principal, avec assurance, aimant à mystifier ses camarades. Pendant que l'un de nous démontrait au tableau quelques théorèmes de géométrie, Rimbaud bâclait en un rien de temps un certain nombre de pièces de vers latin. Chacun avait la sienne. Le titre était bien le même, mais la facture des vers, les idées, le développement, était assez différent pour que le professeur ne pût reconnaître la main du même ouvrier. Il habite l'hôtel particulier de ses beaux-parents avec sa femme, 17 ans. Elle attend un enfant. Un grand et solide garçon, à la figure rougeaude, un paysan. Il avait l'aspect d'un jeune potache ayant grandi trop vite, car son pantalon écourté laissait voir des chaussettes de coton bleu tricotées par les soins maternels. Les cheveux hirsutes, une cravate en corde, une mise négligée. Ses yeux étaient bleus, assez beaux, mais il avait une expression sournoise que dans notre indulgence nous prîmes pour de la timidité. C'est un film qui est en deux parties. J'ai essayé d'équilibrer en deux parties à peu près à égalité la partie européenne, c'est-à-dire de la naissance à Charleville, des Ardennes, Roche, la vallée de la Meuse, jusqu'au départ par le Saint-Gothard vers l'Orient, c'est-à-dire toute la Dromomanie, tout l'épisode avec Verlaine, son immense talent de poète et sa grandeur d'âme, je dirais, et la deuxième partie de 45 minutes qui est africaine, voilà. Au mois de mai, Arthur Rimbaud tombe malade, mais il n'en restera l'idée qu'une quinzaine de jours. Se sentant mieux, il demande à partir pour Bobassa dans le sud. C'est la pointe extrême atteinte par une colonne égyptienne du temps du Raouf Pacha, le conquérant et le premier gouverneur égyptien du Harad. J'accepte de tenter l'essai, espérant que Rimbaud rapportera des renseignements intéressants et favorables à l'extension de notre société. Départ, disparaître, éviter l'ennui, fuir cet esclavage, sa manie. Déplacement pour le déplacement. Pour cette expédition, Arthur Rimbaud avait l'intention de se faire passer pour musulman. À la tête de son petit convoi, il entoura sa tête d'une serviette en guise de turban et entoura ses vêtements civils d'une couverture rouge. Ce déguisement qui nous faisait rire était certainement moins ridicule pour les indigènes que nos habits occidentaux. J'ai essayé de faire passer des émotions. J'ai essayé de faire ressentir. J'ai plus voulu montrer que démontrer. J'ai rien, je connais pas nécessairement des choses, j'ai pas une thèse à défendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sente, qu'on comprenne l'homme et qu'on soit le plus juste possible. Et être juste, quand on parle de Rimbaud, c'est être dans le déplacement permanent, dans l'ennui, mais cet ennui qui est dépassé en permanence par une volonté de non-immobilisme, une volonté de s'ouvrir au monde, voilà. Le projet du film, l'idée principale du film, c'était de ramener Rimbaud à sa réalité, c'est-à-dire non pas tirer Rimbaud à soi, mais essayer de faire sentir l'homme dans ce qu'il a de réel, de déplacement, de sentiment, de sensation. J'ai voulu montrer dans chaque image du film des images que Rimbaud, au cours de sa vie, a pu voir et que nous, à l'heure actuelle, on peut voir, voilà. J'ai été très très content d'être aidé par la municipalité de Charleville-Mézières, qui a compris l'enjeu de ce film, le projet humain de ce film, ne pas divaguer sur Rimbaud, ne pas tirer à soi Rimbaud, mais essayer d'être juste, ne pas raconter des fadaises, mais simplement donner à voir ce que Rimbaud a vécu dans les Ardennes et en Afrique. Mes chers amis, j'ai renouvelé mon contrat pour 3 ans et je crois que l'établissement de Harare fermera bientôt
les bénéfices ne couvrent pas les frais. Vous nous parlez des nouvelles politiques. Si vous saviez comme ça m'est indifférent. Plus de 2 ans que je n'ai pas touché un journal. Tous ces débats me sont incompréhensibles à présent. Comme les musulmans, je sais que ce qui arrive, arrive. En tout cas, il y a un truc formidable, c'est d'organiser cette avant-première nationale à Charleville, la ville d'Arthur. C'est un grand plaisir. J'espère que les habitants de Charleville-Mézières vont apprécier notre travail, qui a pris 2 ans et demi quand même à exister. Et puis, je les invite tous à vite se dépêcher d'aller au théâtre municipal.